Salut à tous et salut à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma deuxième vidéo, donc l'épisode 2. Très contente de faire celle-ci parce que c'est un des thèmes en fait principaux que j'aborderai assez régulièrement sur ma chaîne. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, ce sont des faits divers qui se sont produits plus ou moins récents qui m'ont énormément intéressée en fait. Pour commencer cette vidéo, je tiens vraiment à faire un petit warning en fait. Attention, ne continuez pas la vidéo si vous êtes âme sensible ou même sensible en général à tout ce qui est contenu sexuel ou violence en hard, voilà. Parce qu'il va y en avoir dans cette vidéo, même si je vais essayer au maximum de trouver d'autres mots pour dire les termes. Aussi, je voulais préciser que ce thème-là, ce sujet a été également abordé par plein, plein, plein de youtubeurs, plus ou moins connus. Bon, bien évidemment, c'est pas du plagiat, mais c'est juste que je préfère à le préciser, donc ça peut être une version différente, je ne sais pas. En tout cas, chaque personne a sa propre façon de raconter les histoires, bien sûr, et c'est ça qui est aussi intéressant au final. Allez, assez blablaté, je vous laisse avec la suite. L'histoire se passe en 1980. On y retrouve alors une jeune étudiante âgée de 16-17 ans qui s'appelle Junko Furuta. Cette jeune fille est née dans la préfecture de Saitama qui s'appelle Misato. Il faut savoir que Junko Furuta étudie au lycée et qu'en parallèle elle cherche un emploi, une offre d'emploi pour pouvoir y travailler après avoir obtenu ses diplômes. Il faut savoir que c'est aussi une fille qui aime énormément se montrer, donc elle en fait jalouser énormément, plus d'une, et elle aime bien aussi attirer l'attention. Et un jour, elle attire l'attention d'un garçon. Ce garçon s'appelle Hiroshi Miyano. Donc, une chose à savoir sur ce garçon, c'est que c'est pas un bon garçon. C'est un mauvais garçon. Dans le genre délinquant. Gros délinquant, ouais. C'est quelqu'un qui aime harceler les gens, qui les rackette. C'est vraiment quelqu'un de très mauvais, au fond. Un jour, ce garçon, Hiroshi Miyano, essaie de sortir avec Junko. Sauf que Junko, à ce moment-là, n'est pas du tout intéressée par une relation. Et ça va assez mettre en colère Hiroshi Miyano, parce que déjà, c'est quelqu'un qui est très fier et qui n'aime pas qu'on lui dise non. Donc, ça va vraiment le mettre en grogne. Un jour, elle rentre du travail, donc le soir, à vélo. Donc, c'est son trajet assez quotidien qu'elle fait. Hiroshi Miyano et un copain à lui, Shinji Minato, se promènent dans le but d'enlever et de violer des filles dans la rue. Minato, sous les ordres de son copain Hiroshi Miyano, va faire tomber la jeune fille. Après avoir fait tomber, il s'enfuit et laisse la jeune fille en compagnie d'Hiroshi Miyano. Hiroshi Miyano va donc lui porter assistance en prétendant passer par hasard et en lui proposant de la raccompagner chez elle. Et elle accepte. Malheureusement, Miyano l'amène dans un entrepôt et la viole. Et ce qu'elle ne sait pas encore, et ce que vous ne savez pas encore, c'est que l'histoire ne s'arrêtera pas là. Il lui révèle qu'il fait partie des Yakuza. Donc petite légère aparté sur les Yakuza, faut savoir que c'est un groupe criminel en fait, qui fait toutes sortes de crimes, qui rackette, qui viole, qui fait des choses vraiment atroces. C'est un petit peu l'équivalent de la mafia, j'ai envie de vous dire. C'est une grosse organisation. Je vais pas vous en dire plus, peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet, mais c'était juste pour vous poser les bases de ce que c'est. Ensuite, il l'amène à un hôtel. Et il la viole pour une deuxième fois. Après tout ça, il décide de l'amener au parc et ses amis les rejoignent. Ils fouillent les papiers de la jeune fille et ils la font peur tout simplement en la menaçant en disant que si elle s'enfuit, ils enverront les Yakuza tuer sa famille. Ils s'installent dans un quartier d'Adachi, là où est la maison de Minato. Les parents de Junko avaient en parallèle de tout ça signalé la disparition de leur fille tout simplement à la police parce qu'ils devaient forcément être très très inquiets de ne pas la voir revenir chez eux. Miyano réussit à forcer Junko Furuta de faire croire à une fugue de sa part pour du coup éviter tout simplement une suspicion d'enlèvement. Donc elle les appelle, elle dit qu'elle est en sécurité avec un ami. L'appel qu'elle va passer va mettre fin aux recherches lui concernant. Junko Furuta est resté séquestré pendant 40 jours dans la maison de Minato. Durant ces 40 jours-là, elle a subi des atrocités horribles. Ils l'ont violée, frappée. Ils ont même fait appel à leurs amis yakuza pour venir la tabasser également. Ils l'ont suspendue au plafond comme sac de frappe.
Ils l'ont forcé à manger des cafards vivants et à boire sa propre urine et à faire des actes sexuels sur elle devant eux. Ils ont également inséré des choses sans vous faire un dessin, comme des ampoules. Enfin bref, c'est juste même horrible en fait à dire. Ils lui ont brûlé ses parties intimes. Tout ça, c'est vraiment un exemple de ce qu'ils lui ont fait. Ils lui ont fait encore pire, mais je peux vraiment pas le dire parce que c'est horrible en fait à dire, juste, je peux pas. Deux des complices ont réussi à être identifiés, dont Tetsuo Nakamura et Kouachi Ihara. Après qu'ils aient quitté la maison en fait des Minato, Ihara a réussi à convaincre les parents d'informer la police. Mais eux vont décliner en final l'invitation d'y rentrer parce que en fait ils ont considéré que la proposition était à elle seule suffisante et qu'il ne s'y passerait rien de répréhensible. Donc bien évidemment ces policiers ont été renvoyés pour ne pas avoir suivi la procédure. Donc un mois après tout ça, en décembre, Junko Furuta réussit à joindre la police. Lorsque la police la rappelle, Miyano dit que c'est une erreur. À partir de cette période-là, les tortures vont s'intensifier. Il faut savoir qu'après qu'elle ait vécu tout ça, forcément, elle a perdu contrôle de sa vessie, de ses intestins. Du coup, à chaque fois qu'on la nourrissait ou qu'elle buvait de l'eau, elle vomissait tout simplement. Son nez était complètement éclaté. Et les garçons l'ont bien évidemment battue avant. Faut savoir que elle n'arrivait plus en fait à tenir debout. Du coup, c'était eux qui la faisaient tenir debout. Tellement qu'elle a chuté sur une chaîne de stéréo, ce qui l'a fait avoir des convulsions, des graves convulsions. Vu qu'elle saignait abondamment, les quatre garçons ont mis des sacs plastiques sur leurs mains pour éviter de se salir les mains pendant qu'il l'a frappée. Ils l'ont enflammée. Moins de 24 heures après tout ça, le frère de Minato appelle ce dernier pour lui annoncer qu'elle semble morte. Craignant d'être arrêté pour meurtre, ils enveloppent son corps dans une couverture, ils la transportent dans un sac de voyage, ils la cachent dans un bidon qu'ils remplissent de béton et l'enterrent. Le 23 janvier 1989, ils sont enfin arrêtés pour viol collectif. Donc là, il s'agit de Hiroshi Miyano et un de ses amis. L'un des policiers fait croire qu'il est au courant que Miyano a commis un meurtre. Il a donc pensé, Miyano, que son ami l'avait tout simplement balancé. Miyano a dit à la police où trouver le corps, et évidemment ils s'y sont rendus, ils ont bien évidemment trouvé le corps de la jeune fille, Junko Furuta. D'ailleurs, pour le coup, la police semblait complètement interloquée par ses aveux parce qu'ils ne faisaient pas du tout référence à cette jeune fille, mais à une autre histoire, qui est d'ailleurs à ce jour une affaire qui est toujours non résolue, d'une jeune maman qui a été assassinée. Le 1er avril 1989, donc l'ami de Hiroshi Miyano est arrêté pour une autre agression sexuelle. Puis pour le meurtre de Junko, suivi de l'arrestation de Yasushi Watanabe et de Minato et son frère. Il faut savoir qu'il y a une procédure japonaise qui dit que lorsque c'était mineur, il ne faut pas du tout dévoiler leur identité. Donc par exemple, pour parler d'Hiroshi Miyano, ils disaient le garçon A, ou pour parler de Minato, le garçon B. Mais les journalistes, eux, par contre, sont assez révoltés de cette histoire. Et l'un d'eux, qui s'appelle Shukan Brushun, retrouve leur identité et les publie à la presse en fait, et au monde entier du coup. Les accusés plaident coupables de la charge réduite d'avoir causé des blessures qui ont entraîné la mort de la jeune fille. Pour Hiroshi Miyano, il y a une condamnation donc de première instance en 1990 qui le condamne à 17 ans de prison. Minato, lui, qui a été condamné d'une peine de 5 à 6 ans, est au final condamné d'une peine qui va de 5 à 9 ans. Et voilà, c'est la fin de ce fait divers qui est assez hard à entendre et même dur à raconter. Je tiens juste à m'excuser auparavant du coup de la lumière qui fait que le soleil me joue des tours et s'amuse à se mettre sur mon visage à cause des trous qu'il y a dans mon store. Sachez que c'est pas trop ma faute, mais bon, j'espère que ça vous a pas trop choqué ou stressé. Sachez que je compte faire beaucoup plus de contenu comme ça parce que ça me fait kiffer. Et il y a beaucoup de gens qui kiffent aussi ces faits divers-là. Prochaine idée de thème là-dessus, je vais pas en faire tous les jours des vidéos comme ça bien sûr, mais là j'ai déjà ma petite idée et je vais bosser dessus pour faire quelque chose de meilleur que celle-là. C'est normal, là c'est ma première vidéo comme ça, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir et à très vite!